PVP. Hey, ouais. Bonjour tout le monde. On se retrouve, c'est la merde. Maintenant. Eh bah maintenant je peux t'écraser. Y'a Katox qui s'est fait défoncer sa voiture de nouveau. Il essaie de nous attaquer avec une batte de baseball. Ça filme, ça filme pas hein, j'espère hein. Là ça filme là. Non. Ah si si ça filme. Aïe, la vitre, bordel. Mais je peux pas tirer par dommage. La fenêtre avec mon fusil à pompe, c'est un scandale. On va la voir. Comment je sais que j'ai des munitions ou pas dans mon fusil à pompe? Ah si je me mets dessus. Il est dans la forêt. Munitions 0 sur 6, merde. J'ai une idée, j'ai une idée, je vais me le faire avec la bagnole. Non mais tu vas pas aller en forêt avec la bagnole. Ah si, non mais tu vas... Pour la peine, j'ai mangé le dernier burger. Tu veux qu'on meure, c'est ça hein? Non, pas du tout. Non. Mais là, Katox qui est tout seul dans la forêt, juste à côté des zombies. Je te rappelle que je suis... Je suis je suis garde de chasse. Il est garde de chasse, ce con. C'est la forêt, c'est un peu mon milieu. Ouais, mais je t'attends. Ouais, il faudra bien que t'en sortes à un moment. Hein. Oh les mecs, quoi. On a tous les points cardinaux et on l'attend. Oui, ah voilà. Raté. De peu. Ah putain. Vas-y, vas-y. On va tout taper dessus. Quoi. Ah non, c'est bon. Je peux pas sortir là, virez-moi ces bonnes. Comment je fais pour virer tout le monde là? Moi je suis sorti. Hop, je vais me le faire. J'ai pas de munitions. T'as plus que des balles à clic. Ouais, j'ai changé d'avis les mecs. Salut. Fumier. Je te reconnais bien là. Tiens, voilà. tiens. Je vais aller m'installer ailleurs hein. Non, alors, y a pas les clés, Katox, j'ai déjà vérifié celle-là. Ouais, moi aussi. Hein. Quelqu'un a des cartouches de fusil à pompe? Oui. Oh la vache, quoi. Il fallait que ça finisse comme ça, de toute façon. Hein. Bah, la dernière fois, ça a fini à coup de bombe incendiaire que je t'ai balancé sur la tronche. Ouais. C'était beaucoup plus sain. Mais ça va pas, non. Katox en mode planqué dans la bagnole, quoi. J'suis déjà venu ici. Je peux pas déverrouiller cette putain de porte. Tu fais quoi, Katox? Je sais pas ce qu'il fait. Moi j'ai soif. Quelqu'un a de l'eau? Va crever. Je t'échange de l'eau contre des munitions de fusil à pompe. Bon, alors, je sais bien que tu tournes, mais il va quand même falloir qu'on parle de la saison 2. On va baisser un tout petit peu la difficulté, vous me dites? Bah non, écoute, j'ai quand même l'impression qu'on en a un peu chié là. Hein. Alors, j'ai une demande à faire, vu que j'ai cassé la portière de l'autre côté aussi, que je peux plus sortir de la voiture. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener une trousse à outils? Non. Une trousse à outils, ça existe ça? Ah, je crois qu'ils ont cassé la vitre. Les gratiniers saignent. J'ai plus d'armes, salaud! Ça se fait pas! Moi j'ai plus d'armes! C'est pas grave, tu comprends pas ce qui se passe, toi tu sais pas lire. Ah, c'est marrant, juste au moment où tu meurs, il y a une jolie musique qui se met en route. Ouais, mais je meurs pas, c'est un level que j'ai pris. Ah! Alors je suis égratigné deux fois et je saigne, mais je suis pas techniquement vraiment mort. Ouais. Comment je t'ai semé, Katox? Mais ça devrait pas tarder. Comment, j'ai même pas compris comment on a fait pour retourner au Spiffos, quoi. Je comprends que d'aller à cette ville. Moi non plus, j'ai pas compris comment. Moi je sais juste que quoi que tu fasses, tu retombes toujours sur le Spiffos, quoi. J'ai un zombie derrière moi, ça fait 4 fois qu'il essaye de me mordre, il y arrive pas, on dirait Katox qui essaie de me frapper, quoi. Bon, j'ai survécu 2 jours et 6 heures, je pense que ça marquera la fin de la saison, hein. Je pense que c'est un record. Hein. Je pense qu'on sera mieux sur la saison 2 parce qu'on commence à savoir comment jouer ensemble, qui doit conduire, qui doit pas conduire. Qui doit mettre de l'eau de Cologne. qui doit être tué en premier. Qui doit avoir toujours des casseroles sur lui. Bon,
Bah moi je vais couper mon enregistrement et puis on va se retrouver sur le Discord pour discuter un petit peu des paramétrages. Je pense que vous étiez pas à la hauteur, vraiment hein. Je voudrais pas être méchant, mais vous étiez pas à la hauteur. C'est pas faute de te l'avoir dit depuis le début en fait hein. Je pense surtout qu'à partir du moment où je vous ai balancé un cocktail Molotov dessus, là vous avez plus du tout réussi à gérer. Ouais, il y a un moment où effectivement j'ai senti qu'il y avait une baisse de forme. Tu vois, autour de ma voiture il y a un énorme truc, là je vais la cramer direct quoi.